Il soit très présent sur Terry Holmes. Voilà, il va la sauver peut-être la touche. Il la sauve. Oh, oh non, pauvre Blanco, il la manque. Oh là là là. Tous les malheurs sont sur nous. D'habitude, il la manque pas une fois sur mille, une balle comme ça. Monsieur James joue la touche. Raccourci, très raccourci. Pour nous. Rive pas. Il a gagné 30 mètres et la balle est jouée par la France. Ah là, il aurait peut-être allé un peu plus loin. Mais c'est bien joué quand même. Touche dans les 22. Gallois. Il y avait le choix là, Pierre. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Bon, je pense qu'il a bien fait de jouer au pied parce qu'il avait trois équipiers à droite, c'est vrai, mais la défense galloise, que vous ne voyez pas sur votre écran, joue excessivement à plat et à la limite du hors-jeu. Donc ils sont là pour nous gêner. Il faudra jouer quelques balles dans leur dos, moyennant qu'au moins on les récupère, ce qui n'est pas le cas depuis le début du match. Tous joués par James, alors que le public encourage l'équipe de France à tout va. Équipe de France à la balle. Balle à la France. Balle à la France toujours. Drop de Camaramero. Oui. Drop de Didier Camaramero. Sur un mol créé par Gérald Martinez, c'est Rive, Jean-Pierre Rive, qui est en position de demi de mêlée, a transmis à Didier Camaramero. Nous allons revoir cette phase de jeu avec une échappée ici de Gérald Martinez. Il est pris. Récupération de Rive et drop de Didier Camaramero. Ça va mieux. 6 pour les Gallois toujours, évidemment. Ça va mieux. Est-ce que le chronomètre marche maintenant? Nous allons demander à Henri Carrier. Il ne marche pas. Ben voilà. Changez de marque, les gars. Hein. Parce que celui-là, il ne marche pas souvent. 30 minutes à peu près. Pierre. 30 minutes de jeu. Remise directe en touche. Il y aura une mêlée au centre. Avec un